On dirait un très gros projet tout ça. Je peux vous aider? Notre propre lavoto. Allons tous au lavoto, s'amuser dans l'eau. Éponger du savon et sortir le tuyau. Laver, frotter, puis rincer pour qu'elle soit comme neuve. Il faut bien la faire briller, on doit se mettre à l'œuvre. D'abord, nous nettoyons le pare-brise. Ensuite, nous mettons un peu d'eau et on frotte, frotte, frotte la saleté. Le savon doit bien mousser pour bien nettoyer. Comme quand tu laves ta frimousse avec tout bien de mousse. On lave la voiture en entier, le pare-brise et le capot. N'oublie pas le coffre arrière pour que tout soit tout beau. Je vais vous montrer comment faire des bulles juste avec une éponge. On fait tremper une éponge dans du savon et on frotte, frotte, frotte. Il faut maintenant bien rincer avec beaucoup d'eau pour bien enlever la saleté en jouant au lavoto. On s'amuse avec le jeton en jouant au lavoto. On lave, joue, on essuie, tout sera propre et beau. Il faut bien rincer le savon avant de sécher les voitures, même les petites fissures. On rince, rince, rince. Est bien rincée, on doit la sécher. Le soleil chaud et le vent s'en occuperont maintenant. On peut prendre un chiffon pour bien la faire briller. Pour une super finition, on doit bien l'essorer. Si l'eau coule du chiffon, on doit bien essorer notre chiffon. Fort, 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 pour que l'eau s'écoule. Ménagère, lavons tout, aidons à
faire les tâches ménagères. À toi, Léo. Et donc, à faire les tâches ménagères. Nettoyons, nettoyons tout. Et donc, à faire les tâches ménagères. Nettoyons, et donc, à faire les tâches ménagères. Bravo, chérie. Et donc, à faire les tâches ménagères. Donnons à manger aux chiens. Et donc, à faire les tâches ménagères. En nourrissant le chien. Et donc, à faire les tâches ménagères. C'est validé. Aidons à faire les tâches ménagères. Rangeons tout ce qui traîne. Aidons à faire les tâches ménagères. Rangeons tout. Aidons à faire les tâches ménagères. Bravo, chérie. Maintenant, on a terminé. Qu'est-ce que tu vois, bébé Louis? Alors que j'entrais dans le parc, dans le parc, dans le parc, des manèges, il y en a beaucoup, partout, partout, partout. On tourne, on rit et on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. On tourne, on rit et on s'amuse, et oh, et oh, et oh. Voici ta barbe à papa, bébé Louis. Mais c'est bébé requin. Tiens, bébé Louis, ta barbe à papa. Hé, hey, regardez, un train. Allons voir. En famille au parc d'attractions, d'attractions, d'attractions. J'ai vu un train, allez, tu viens, tu viens, tu viens, tu viens. On sonne, on tourne et puis on rit. On sonne la cloche pour les amis. On sonne, on tourne. Cette fois-ci, viens, bébé Louis. Oh! Tu as vu ce beau carrousel? Wow! Un carrousel et des chevaux. Comme c'est beau, comme c'est beau. Comme une leçon d'équitation. Allons, allons, allons. On monte, on rit, on fait un tour. Fait un tour, fait un tour. On salue, puis on dit bonjour, bonjour. Mes préférés, les auto-tamponneuses. Alors que j'étais dans le parc, dans le parc, dans le parc, j'ai vu des auto-tamponneuses. Trop cool, trop cool, trop cool. On tourne, on rit en conduisant, conduisant, conduisant. Oups, on a eu un accident, tout en rigolant. Ok, bébé Louis, prends un ballon. Ah,
Regarde, bébé Louis, j'ai une idée. Connais-tu le boulanger, le boulanger, le boulanger? Connais-tu le boulanger qui vit dans le quartier? Lequel préfères-tu, bébé Louis? Bébé Louis, bébé Louis. Lequel préfères-tu, bébé Louis? Tu veux celui-ci? Un drôle de sourire, des cookies. Et la touche finale, c'est fini. Te voici, bébé Louis. Et j'ai une surprise pour toi. Maman aime bien décorer, décorer, décorer. Maman aime bien décorer. Nous allons nous régaler. Ce cookie est pour toi, bébé Louis. Il est juste en face. Hé, bébé Louis, viens prendre une glace. Miam, miam, surprise. Connais-tu livreur de pizza, livreur de pizza, livreur de pizza? Connais-tu livreur de pizza? Le voici juste là. Il est l'heure de manger. Miam. Oui. Qui a pris une part de pizza? Où se cache ce petit malin? Le coquin, le coquin. Mangeons et allons nous reposer avant de se coucher. Miam, c'est délicieux. Je suis contente que tu aimes mon cœur. Oh. Oh. Nous entendons les joyeux carillons. Nous entendons les joyeux carillons. Du marchand de glace et de son camion. Une bonne glace comme collation. Les enfants adorent le son du carillon. Les enfants adorent le son du carillon. Musique maestro, s'il vous plaît. Une glace ou bien un cornet. Comme les sorbets et la glace, on connaît. Smoothie, glace et délicieux sucrés. Banane, framboise et cerise. Un arc-en-ciel de saveur. Mmh.
Des ananas juste pour toi et des oranges on en mange. Et si on mettait quelques bananes, un arc-en-ciel de saveur. Des ananas, oui, on adore ça. Avec des oranges ou bien des mangues, en sorbet ou en crème glacée, un arc-en-ciel de saveur. Citron, melon et abricot, kiwi, litchi et noix de coco, caramel, nougat ou chocolat, nos décorations sont trop bonnes. Chacun sa saveur, miam, 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 barbe à papa ou au nougat, fruit de la passion ou au bonbon, une explosion de saveur. Venez les enfants, nous allons commencer. Youpi! Oh, mon petit éléphant. Êtes-vous prêts, les amis? Ouais! Un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée. C'était un jeu tellement, tellement amusant qu'il appela un autre éléphant. Mais pas encore à toi, bébé Louis. Deux éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. C'était un jeu tellement, tellement amusant qu'ils appelèrent un autre éléphant. Toujours pas, bébé Louis. Trois éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. C'était un jeu tellement, tellement amusant qu'ils appelèrent un autre éléphant. Hé, hey, bébé Louis! Quatre éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. C'était un jeu tellement, tellement amusant qu'ils appelèrent un autre éléphant. Oh! Wow! Wow! Cinq éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. C'était un jeu tellement, tellement amusant qu'ils appelèrent un autre éléphant. Encore un peu de patience, bébé Louis. Six éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. C'était un jeu tellement, tellement amusant qu'ils appelèrent un autre éléphant. C'est presque à toi, bébé Louis. Sept éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. C'était un jeu tellement, tellement amusant qu'ils appelèrent un autre éléphant. Huit éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. C'était un jeu tellement, tellement amusant qu'ils appelèrent un autre éléphant. Maintenant, c'est à toi. Vas-y, bébé Louis. Neuf éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. C'était un jeu tellement, tellement amusant qu'ils appelèrent un autre éléphant. Bravo, bébé Louis. Dix éléphants allaient jouer sur une toile d'araignée. C'était un jeu tellement, tellement amusant qu'ils appelèrent leur maman éléphant. Mon petit éléphant.